Mère de 4 enfants, l'ancienne Miss France Élodie Gossuin s'amuse régulièrement à montrer la réalité de sa vie quotidienne, loin du glamour des concours de beauté. Ce dimanche 1er septembre, veille de rentrée, elle n'a pas caché qu'elle n'était pas toujours la reine de l'organisation. Comme pour beaucoup de parents, la période de la rentrée s'annonce très chargée pour la Miss France 2001, Élodie Gossuin. Sur son compte Instagram, elle partage régulièrement des moments de sa vie de mère de famille, pas toujours facile, mais avec beaucoup d'humour. Mariée depuis 2006 avec son amoureux, le mannequin Bertrand Lachery, la chroniqueuse file toujours le parfait amour avec ce dernier. Ensemble, le couple a accueilli 4 enfants, les jumeaux Jules et Rose, nés en 2007, et une seconde paire de jumeaux, Léonard et Joséphine, nés en 2013. Ce dimanche 1er septembre, l'ancienne reine de beauté de 43 ans a été complètement transparente sur la réalité de la rentrée scolaire. Apparemment dépassée par toutes les choses à faire avant demain, Élodie Gossuin s'est exprimée dans sa story Instagram sur ce moment très stressant. Alors qu'elle profitait de la plage en famille jusqu'au 31 août, c'est dans sa voiture et sous la pluie que la Miss a avoué n'avoir rien préparé. Cette année, Élodie Gossuin est un peu à la bourre pour la rentrée, c'est l'heure de faire un point rentrée. J'ai ressorti mon couet parce qu'évidemment, il pleut, a-t-elle lancé, les cheveux en bataille. Je n'ai pas retrouvé mon coiffeur, je n'ai pas retrouvé non plus ma maquilleuse et je viens d'aller faire les courses comme ceci, avec un imper et les claquettes aux pieds. A-t-elle ensuite ajouté. Un style loin des paillettes des concours Miss France. À J1 de la date fatidique, Élodie Gossuin s'est précipitée pour faire ses achats de rentrée, « Je viens seulement de faire les courses de fourniture scolaire, avec mon mari, de faire un point. Je viens d'aller chercher les sacs à dos, commandés pour les chéris parce qu'évidemment, les colis n'avaient pas été livrés. » La mère de famille a salué l'organisation de certains parents, à ceux, à celles qui ont déjà préparé la rentrée, qui sont au taquet, qui avaient fait la liste de fournitures desquelles a été envoyée par le collège, l'école ou le lycée, respect. Apparemment, elle ne fait pas partie de cette team. Parce que là, je suis au bout du rouleau, j'ai au moins 10 lessives à faire, la maison est dans un état pas possible, a déploré la jolie blonde. Ça va être très sympa. Ça, et repartir au boulot direct, ça va être vraiment cool. A ensuite ironisé Élodie Gossuin. Avant de dévoiler le programme complexe du retour à l'école de ses 4 enfants, j'ai appris que la rentrée pour les grands c'était à 10h et ils finissent genre à 17. Que les petits c'est à 8h et qu'ils finissent à midi, parce qu'ils rentrent en 6e. En termes d'aller-retour et d'orga, dès lundi on va être au taquet. Bon courage à elle, et à tous les parents.